Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire, essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir, et puis si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors vous avez en dos de deck une arcane majeure, les Sagittaires, c'est la carte du magicien. C'est une carte, c'est la première arcane du tarot, elle porte le chiffre numéro 1, elle nous parle d'un nouveau potentiel à exploiter, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ qu'on souhaite enclencher. C'est une carte aussi qui nous parle de manifestation, c'est-à-dire agir dans le sens de ses souhaits, de ses projets, de ses objectifs. C'est quand on prend aussi un petit peu le pouvoir, quand on comprend qu'en fait on est l'acteur hein, de sa réalité. Donc c'est une très jolie énergie pour accompagner votre tirage. On va découvrir l'ensemble. Alors, votre énergie principale, la 4 de denier. Votre objectif, l'impératrice. Votre force, le roi de bâton. Le défi, la 8 de bâton. Le conseil, la 9 de denier. Votre vie active, le 6 de denier. Votre vie relationnelle, le 2 de denier. Votre vie intérieure, la 3 de coupe. Et vous sortez avec un roi de coupe. Ok, on a pas mal de deniers. Hein. 1, 2, 3, 4 cartes de denier ici. On a des bâtons, on a des coupes, on n'a pas d'épée. Donc, pas trop de mental, pas trop de réflexion, pas trop... De suranalyse ou d'analyse pour vous, plutôt du concret, plutôt de l'action, plutôt des énergies ici, malgré tout assez équilibrées, malgré effectivement le fait qu'il n'y ait pas de carte d'épée. Bon, commençons par le commencement, la 4 de denier en énergie principale pour vous. Alors la 4 de denier, c'est une carte quand même qui nous parle de stabilité sur le principe. Avec la 4 de denier, on veut, on est assez porté sur la matière déjà. Alors peut-être qu'il y a l'influence d'un signe de terre ici pour vous, les Sagittaires. C'est une carte qui va nous manquer de... qui va nous parler ici d'un besoin de sécurité, qui va nous parler de nos richesses, de nos ressources. Est-ce qu'on est complètement bloqué là-dedans? Quelle importance on donne aussi à cet aspect matériel dans la vie, aux besoins un peu d'abondance ou de prospérité? C'est
parfois une carte un petit peu de où on est accroché à sa zone de confort, hein, du coup on a peur de se mettre en insécurité, on fait une petite fixation en fait sur l'aspect, je dirais, sur l'argent ou sur la matière de manière générale. Et ici il y a l'idée de conserver un petit peu ses acquis, de rester parfois un petit peu, comment dire, oui, comme je le disais, accroché à sa zone de confort d'un certain côté. On a besoin d'être dans le connu, on a besoin de stabilité, on est dans cette recherche-là, de consolidation peut-être aussi de votre situation, parce que vous en avez besoin en ce moment tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a l'impératrice qui revient en objectif, et l'impératrice, elle nous indique quand même que vous avez des projets de création, vous avez envie de faire naître un projet. Peut-être que vous êtes du coup plutôt en mode économe, en mode investissement. Il y a beaucoup de deniers dans votre tirage, donc vous êtes beaucoup dans la matière en fait sur ce mois de juin. Donc voilà, il peut y avoir des projets parce que, je sais pas moi, avec l'impératrice, vous souhaitez fonder une famille, avoir un enfant, donc vous savez très bien que voilà, il va falloir faire certains investissements, prévoir certaines choses. On est plutôt dans la planification, dans la réflexion, et la matière, par exemple, pourrait avoir son importance. Ça pourrait être un projet professionnel, un projet d'investissement, ça pourrait être aussi parce que vous avez envie de sécuriser tout simplement et de pérenniser un contrat, une situation professionnelle. Voyez, il y a cette idée ici avec l'impératrice de prendre soin et d'avoir ce besoin d'abondance, encore une fois, quel qu'il soit. Et je pense que avec tous ces deniers, c'est pas une abondance émotionnelle, c'est plutôt une abondance qui est liée à la matière, à un équilibre que vous souhaitez trouver, et à des ressources que vous souhaitez pérenniser ou stabiliser. Alors vous avez la roi de bâton, la carte du roi de bâton en force, donc c'est très bien. Le roi de bâton, il est entreprenant, il est audacieux malgré tout. C'est-à-dire que il y a un besoin de sécurité. Vous voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez pas vous mettre en péril parce que votre bien-être matériel est important pour vous, par exemple. Mais en même temps, ça ne vous empêche pas avec ce roi de bâton d'avoir des idées, de prendre des initiatives, d'être dans l'action. C'est l'entrepreneur. Alors peut-être que ce tirage, il va parler à des gens qui ont une activité indépendante, qui veulent développer leurs investissements, qui veulent, voilà, comment dire, ah, j'allais dire mettre à profit, mais c'est pas le terme, mais en tout cas développer leur profit, développer leur activité, développer leurs ressources, développer leurs gains, tout simplement. Il y a pas de honte à ça, bien évidemment. Donc avec le roi de bâton, c'est le businessman du tarot, c'est celui qui a des plans, c'est celui qui les met en place, c'est celui qui a des bonnes idées et qui est tout à fait dans une démarche d'action. Alors peut-être que vous passez un nouveau cap ici au niveau professionnel, par exemple, dans votre activité, plus d'indépendance, plus d'autonomie, vous investissez, vous grandissez, vous pérennisez vos projets, vous développez. Voilà, on est quand même un petit peu dans cette dynamique pour vous sur ce mois de juin. 8 de bâton en défi. Alors la 8 de bâton, elle pourrait éventuellement nous parler d'aller trop vite parfois, hein, d'être un petit peu trop dans l'impulsion, d'être un petit peu trop dans la dynamique. Alors c'est ou dans un sens ou dans l'autre. On vous invite vraiment à l'être, mais bon, vous avez quand même le roi de bâton en force, donc j'ai quand même l'impression que vous avez cette dynamique d'entrepreneuriat, d'audace, de courage et de travail. Et d'un autre côté, avec ce 8 de bâton, peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite, hein. Peut-être que vous aimeriez que le rythme s'accélère encore plus. Mais voilà, il peut y avoir ici le fait de ne pas négliger certains détails, de ne pas forcément vouloir emprunter le chemin le plus rapide, parce que ce n'est pas toujours le meilleur. Et peut-être de ralentir un petit peu pour faire les choses de manière cohérente, constante, réfléchie, et de recentrer, on va dire, un petit peu votre énergie pour pas partir dans tous les sens, parce qu'il peut y avoir de l'intensité, mais il faut qu'elle reste canalisée, bien évidemment. Vous avez d'ailleurs la 9 de denier en conseil, et la 9 de denier, c'est plutôt une carte, encore une fois, hein, qui nous parle de ressources et de richesses. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de pérennisation pour vous.
Le 9 de denier, c'est une carte de trésor quand même un petit peu. Et vous avez fait des efforts pour en arriver à cette situation. Alors profitez aussi, parce que s'il y a une forme de réussite que vous avez atteint récemment, les Sagittaires, dans votre vie matérielle, financière, professionnelle, eh bien prenez le temps aussi d'en profiter, de vous gâter, d'oser vous faire plaisir et de manifester, on va dire, aussi toute cette harmonie, en fait, que vous avez, pour laquelle vous avez travaillé. Donc là, il n'y a pas de honte à se faire plaisir, il n'y a pas de honte à profiter aussi un petit peu de nos réussites, de nos gains, quoi, hein, voilà, je dirais tout simplement. Dans votre vie active, vous avez la 6 de denier. Alors la 6 de denier, c'est une carte, encore une fois, hein, qui va nous parler d'abondance et de prospérité. De toute façon, on est dans les deniers, qui va nous parler de partage. C'est-à-dire que sans doute qu'au niveau professionnel, si vous en êtes où vous en êtes, c'est aussi parce que vous avez su bien vous entourer, bien vous accompagner, demander de l'aide aux bonnes personnes, offrir aussi votre aide. Il y a une idée un petit peu de partenariat avec ce 6 de denier. Et c'est en partageant aussi notre abondance qu'on en crée encore davantage. Cette carte, elle vous encourage d'un certain côté à donner sans forcément attendre en échange, à être plutôt dans le partage de vos richesses, de vos ressources, de votre savoir, de faire preuve de générosité, mais aussi peut-être d'aller demander le soutien là où il est, de vous faire accompagner, de vous faire épauler. Et puis, il y a aussi une symbolique avec la 6 de denier d'équilibre des finances, d'équilibre matériel que l'on recherche, d'investissement, pourquoi pas. Donc c'est le flux, hein, de l'argent qui rentre et qui sort, c'est le flux du donner et du recevoir, voilà, c'est une carte d'échange, de compromis, d'équilibre. Donc y a rien de, tout est très stable quand même dans votre tirage, les Sagittaires. Tout est très stable. Au niveau relationnel, on a la 2 de denier. Encore des deniers, me direz-vous. Alors le 2 de denier va nous parler ici peut-être d'un moment de, je vais pas dire de flottement, mais pourquoi pas, parce que la 2 de denier, c'est un peu une carte de lenteur, hein, c'est-à-dire qu'avec la 2 de denier, c'est bien, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte qui nous parle d'union, c'est quand on arrive en fait à trouver l'équilibre dans toutes les sphères de sa vie, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau familial, on équilibre un petit peu tous ces mondes, on trouve le bon compromis entre s'investir dans le travail et en même temps ne pas pour autant négliger sa vie sociale ou sa vie de famille. Vous voyez, c'est une carte en tout cas qui nous dit qu'on essaye de trouver cet équilibre qui est nécessaire d'avoir pour que tout fonctionne au mieux et que pour que tout soit à l'unisson. Donc c'est quand même une approche qui est assez structurée, hein, vous voyez, c'est des carrés dans cette carte, donc c'est très structuré, on garde le contrôle, mais voilà, en même temps, on n'est pas fermé au changement, on s'adapte, on est plutôt dans une approche comme ça d'équilibre, de compromis, de peut-être d'évaluation, hein, aussi. Vous vous posez peut-être des questions. Avec la 2 de denier, on peut nous parler un peu de l'inventaire que l'on fait, des pour, des contre. Voilà, on est un petit peu dans cette. On essaye en tout cas de s'adapter aussi à certains changements et à certaines situations. Donc plutôt une carte qui va nous parler de recherche d'équilibre. Donc c'est pour ça que je dis, il y a quand même un socle et un équilibre, une base assez solide qui ressort ici dans votre tirage pour vous les Sagittaires. Intérieurement, vous avez la 3 de coupe. C'est plutôt une carte sympa parce que c'est une carte qui nous parle de réjouissance, de fête, de célébration. On est plutôt, on a envie de s'amuser avec le 3 de coupe. On a envie de profiter, on a envie de sortir, on a envie d'avoir une vie sociale qui soit la plus épanouie possible. Je prends soin de ma communauté, je prends soin de mes amis, je passe du temps de qualité avec
avec les gens que j'aime, je suis dans l'interaction, je suis... Donc, il y a une légèreté qui est là, même si on sent que vous êtes très focus sur la matière, très concentré, très organisé, très prévoyant, et très, attaché à ce confort, entre guillemets. Malgré tout, voilà, vous allez aussi, je pense, avoir trouvé du temps pour vous, pour que tout puisse s'équilibrer et pour que vous puissiez aussi être en compagnie des gens que vous aimez dans des sorties, dans des moments en tout cas que vous allez partager avec plaisir. Donc c'est plutôt une carte de légèreté, de carpe diem, hein, c'est ça le 3 de coupe. Voilà, on est dans la coopération, on est dans le partage avec les autres et tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Vous terminez avec le roi de coupe. C'est plutôt aussi une carte qui va nous parler de maturité et d'équilibre. Le roi de coupe, c'est quand même celui qui règne sur le royaume des émotions, donc qui sait être dans l'équilibre. Ça peut peut-être être l'influence d'un signe d'eau pour vous, les Sagittaires, donc Cancer, Scorpion, Poisson. C'est en tout cas une carte qui peut nous parler de profondeur émotionnelle, de maturité émotionnelle, d'accepter en fait de laisser ses sentiments nous traverser. Pour les comprendre, pour partager. C'est vraiment un roi qui est dans la compassion, dans la communication, qui garde son calme, qui comprend. Donc, il y a un très bel équilibre, franchement, qui ressort les Sagittaires de votre tirage. Une forme de sérénité, de maturité, de bienveillance, de compréhension. C'est très joli, très simple. Mais très joli. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.